au bout pour filtrer le lait. Hein. Ouais. Ça, c'est un petit filet, quoi. Mais en fait, la fin, c'est toujours un peu des lèvres en remplir. J'augmente en quantité, mais du coup, il faudrait que je prenne. Bah, du coup, je prenne un autre. Pour vous faire deux sacs, c'est un peu pratique de remplir. C'est un moment, je pense que c'est plus fait. C'est cool. Ce matin, en fait, on l'a mixé. Donc tu l'as laissé reposer. Je l'ai laissé, ouais, un petit peu au frigo, bien durcir, bien prendre, on va se refroidir. Et là, la dernière étape, c'est de le mettre en pot. Et non, mais il est tellement onctueux, on dirait de la crème fraîche, quoi. Donc j'en mets quelques-uns en pot et puis le reste, là, je le garde en seau pour les personnes qui pensent à ramener des pots et que je leur remplis en vrac. Et cela, donc ça, c'est du fromage qui est vendu. Il pourrait être vendu dès aujourd'hui. D'accord. Il est vendu au magasin le vendredi. Voilà. Et au marché le samedi. Et au marché samedi. À Saint-Just. À Saint-Just. En Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique. Ça, ce sera pour le fromage à tartiner. Ouais. Avec, tu mettras quoi dedans? Ciboulette fraîche, ail, sel.